Donc simplement dire que l'évolution de la situation sociopolitique dans notre pays nous interpelle tous. Le président de la République et moi-même sommes à l'œuvre, engagés résolument à faire en sorte que nous puissions trouver une solution de sortie de crise à travers le dialogue. C'est cela que le président de la République demande, c'est sur ça qu'il a insisté à plusieurs reprises, et c'est que par le dialogue entre nous que nous pouvons trouver une réponse à la crise que nous vivons. Et en cela, toutes les initiatives locales, nationales, régionales ou même internationales qui sont en cours ont été favorablement accueillies par le président de la République et puis par le gouvernement. Nous espérons qu'elles aboutiront positivement dans les heures à venir, dans les jours à venir, notamment avec l'arrivée de la mission CDAO dirigée par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Je suis venu également à la rencontre de nos forces de défense et de sécurité qui sont fortement éprouvées, qui sont sur le terrain nuit et jour pour faire en sorte que la République tienne, pour faire en sorte que nos vies, les biens, les édifices publics puissent ne pas être en danger. Il était important que je vienne vers eux pour leur dire que l'usage même des forces de défense et de sécurité n'a de sens que dans la protection des biens et de nos vies humaines. Il y a eu malheureusement des morts que nous regrettons fortement. Nous prions pour que leur âme puisse reposer en paix. Présentons nos sincères condoléances aux familles endeuillées et faisons en sorte que cela n'arrive plus dans notre pays. Mais ça doit être aussi un signal à l'ensemble de la population. Ce qui est en cours, il ne s'agit pas simplement, en termes de menaces, je veux dire, ce qui est en cours, ce n'est pas simplement le M5, c'est pas les barricades ou ceux qui essayent de couper la route. Il y a potentiellement des menaces beaucoup plus importantes que ce que nous pouvons croire. Il faut dialoguer, c'est ce que le président de la République demande, c'est ce que toute la communauté nationale, internationale nous demande, et j'espère que ce dialogue-là, cette offre de dialogue sera acceptée
par le M5 et que très bientôt, nous nous retrouverons autour de la table pour discuter des schémas de sortie de crise.